Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Parlons de Passion avec aujourd'hui mes derniers achats au niveau des artbooks. Alors nous allons avoir dans les ordres La Bataille des Planètes, les Mystères Citadors ou encore Devil May Cry et un bonus qui va plaire aux fans de Dragon Ball Z. C'est parti pour les arrivages de la semaine numéro 4. Alors cette semaine nous allons avoir 3 artbooks. Le premier est celui-ci, Gatchaman Graffiti 1972 à 2000. Alors qu'est-ce que nous allons avoir à l'intérieur? C'est un artbook de 150 pages et à l'intérieur nous allons avoir pas mal d'illustrations en couleur, mais aussi pas mal de cheatés, des documents en noir et blanc par rapport à tous les épisodes de la Bataille des Planètes. Alors à l'intérieur, il va y avoir ceux qu'on a connus en France, c'est-à-dire les premiers Gatchaman de 1972 et 1978, mais après nous aurons aussi les épisodes de F et aussi l'OAV qui était vraiment excellent, qui est sorti en 1994. Donc un bon artbook qui va rappeler des bons souvenirs à ceux qui, comme moi, ont connu la Bataille des Planètes en 78, oui, je suis vieux, mais c'est pas grave. Donc un truc quand même bien sympathique. Alors le deuxième artbook, c'est sur les Mystérieux Cités d'Or. Il faut savoir qu'au Japon, il y a deux artbooks qui étaient sortis. Donc voilà le premier. Alors celui-là traite jusqu'à la... Je crois que c'est jusqu'à la découverte du Condor. Et je peux vous dire que malheureusement, je suis déçu de cet artbook qui fait 100 pages, car il n'y a rien de vraiment bien à l'intérieur. Nous avons pas mal de captures d'écran de la série, des épisodes, donc c'est vraiment moyen. Et après, il y a beaucoup de pages où c'est écrit pour expliquer toutes les recherches qu'il y a eu par rapport au documentaire, mais tout est en japonais, donc c'est pas intéressant. Et après, la dernière partie, ça va nous montrer des croquis de recherche et des cheatés, mais ils sont vraiment de très très mauvaise qualité, car cet artbook est quand même assez vieux. Et ça, c'est vraiment dommage. Si vous êtes comme moi un fan des Cités d'Or, je vous conseille pas du tout d'acheter cet artbook. Je vous conseille plutôt celui-ci, j'ai déjà fait une critique dessus, c'est Les Scieries de notre enfance. Et à l'intérieur, vous avez 30 pages sur les Mystères Cités d'Or avec pas mal de textes, pas mal de documents, et ça vaut vraiment le coup. Alors le troisième livre, c'est un livre que j'attendais depuis déjà une semaine, c'est celui-là de Pix & Love sur Devil May Cry. Et je l'ai déjà survolé, il fait 170 pages et il y a énormément de textes, donc je vais vraiment bien le lire en entier avant de vous faire une critique, car je pense qu'il va être vraiment excellent, un peu à l'image de celui qu'il y avait eu sur Assassin's Creed, je sais pas si vous vous souvenez. En plus c'est vraiment bien car c'est exactement du même format, donc ça c'est vraiment parfait. Donc à l'intérieur, pour ce que j'ai vu, il y a quand même pas mal de belles illustrations, mais il y a vraiment énormément de textes et ça va vraiment plaire. Ça parle de tous des 4 opus de Devil May Cry, donc je sens que ça va encore être du très très bon. Donc voilà, et maintenant nous allons passer au bonus de cette vidéo. Alors voilà, en bonus, c'est une autre dédicace, c'est une dédicace de Akira Toriyama. Je l'ai reçue cette semaine et je peux vous dire que je suis super content, j'étais comme un gamin. Vous pouvez la voir en gros plan. Donc, bien sûr, c'est Son Goku. Moi, perso, personnellement, mon perso préféré, c'est Vegeta. Mais trouver des dédicaces de Vegeta, c'est quand même assez rare. Donc, vous pouvez voir, très bonne qualité, un très très beau dessin. Et en plus, je suis content, vous pouvez voir ici, il y a le petit tampon rouge qui certifie que c'est bien celui de Akira Toriyama. Donc, voilà, je vais bientôt le mettre sous cadre et me faire un beau petit tableau avec les différentes dédicaces que j'ai réussi à avoir. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un pouce vert, laissez des commentaires et venez aussi sur mon site artbookpassion.com et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !